Bonjour tout le monde, j'aimerais vous faire voir ma façon de faire des nœuds avec un gabarit. Alors cet appareil, je l'ai créé sur ma ScanCut. Il s'agit de 8 couches de papier collées les unes sur les autres. Pour obtenir quelque chose de bien solide. Je tiens à remercier Kat de la chaîne de Kat, CA3T. C'est grâce à elle que j'ai pu réaliser le gabarit. Je vous propose de taper sur YouTube tuto de l'appareil à nœuds sur sa chaîne et vous pourrez vous aussi le reproduire. Elle nous a fait également une vidéo comment créer ses nœuds avec. Mais comme je ne fais pas de la même façon, je vais vous montrer comment je procède. Alors, je vais avoir besoin de pinces. Moi, je me sers d'une pince Bruxelles. Par rapport aux pinces à épiler ou autres pinces, quand on serre et quand on resserre les branches, ça serre l'embout. Par contre, celle-ci, quand on serre, ça fait effet inverse, ça ouvre, on risque pas de le perdre, alors que si on prend une autre pince, vous pouvez avoir des faiblesses et ça peut, voilà, on peut lâcher complètement le papier. Donc, je vais procéder, je vais vous refaire un nœud comme celui-ci, en ruban. Je vais prendre pour cette largeur là, je vais prendre ce côté ci c'est par rapport à la largeur du ruban, on choisit notre gabarit. Donc moi je vais prendre celui ci je passe derrière, je reviens devant et à ce niveau là je vais pouvoir couper. Donc je reprends mon ruban. Je le pince avec mon doigt, mon pouce. Je fais le tour. Je reviens sur le devant. Ici, je vais le passer. Je vais passer mon embout en dessous. Je le passe ici. Plie en deux, on le glisse, on le récupère derrière et on vient le repasser entre les deux. Je tiens toujours mon embout, hein. Surtout ne lâchez pas cet embout. Ici on peut resserrer légèrement et c'est là où je bloque avec mes doigts contre la paroi, on pousse de la main gauche, j'appuie légèrement ici pour saisir ma pince. Avec cette pince, je prends l'embout et je vais venir glisser la pointe du ruban dans la boucle de bas vers le haut et je la fais ressortir ici. Je lâche ma pince, je maintiens toujours ma queue. Je tire le bout que je viens de faire. Et je tire fortement. Je peux même laisser descendre pour que ce soit bien calé. Et je tire ce morceau et uniquement ce morceau jusqu'à très fortement. Jusqu'à obtenir vraiment le plus serré possible, centré. Donc je tire, je tire, je tire, d'où la nécessité d'avoir un gabarit assez solide. Je vérifie, il est bien tiré. Je pense que je peux même le retirer encore un peu. Sûr qu'il n'y a pas sauvé et j'enlève du
du gabarit. Et voici un superbe nœud. Oui, j'ai pas perdu beaucoup. Hein. Et là, je vais venir mettre mes deux pattes l'une contre l'autre et venir faire mes queues d'hirondelle. Et voilà le résultat. Je vous montre un autre exemple avec un autre ruban. Je vais prendre le gabarit. J'ai envie de faire. Je pourrais faire celui-là, un petit nœud sympa. Je peux faire celui-là. Après, libre à vous de faire. On peut encore faire les deux là, mais ça va devenir des boucles avec des grandes boucles. Bon, allez, je vais essayer avec vous pour vous faire voir. Allez, on tourne derrière, on revient devant, on croise et là je coupe. Alors, je recommence. Alors, il faut se dire que devant nous, c'est toujours l'arrière du nœud. Et si vous avez votre ruban avec un sens, bon là, ça, il n'y a pas vraiment de sens, il faut s'assurer que le bout se trouve côté dos. Allez, hop, on y va. Une boucle à l'arrière, on vient devant. Et là, il faut passer, on va lever légèrement, il faut passer au milieu. Tout le monde voit. Et on récupère derrière, on revient, on refait passer sur le devant. C'est là qu'on le maintient derrière, le pouce devant pour légèrement échapper, enfin lâcher un peu le ruban pour venir chercher notre engin. Je vais essayer de vous faire voir avec une pince à épiler. Hop. Pour celles qui ont une pince à épiler, allez, c'est le même principe. Pour prendre notre pointe de ruban. On va le glisser sous la boucle qu'on vient de faire. Vous voyez ? Voilà. Donc, je recommence. Hop. Sous la boucle. Et il faut qu'il ressorte. Voilà. Il est ressorti. Est-ce que tout le monde voit ? Il est reparti. On recommence. Oh, c'est délicat. Hein. Donc, on le passe la boucle, on vient refaire ressortir ici, on lâche, ça y est, on l'a. Je le mets un peu plus au fond pour éviter que ça s'ouvre. Et là, je serre celui-ci. Je serre. Je reviens, je serre. Et jusqu'à ce que ça soit. Voilà. Vous voyez le nœud, moi je ne trouve pas très très joli. Après, c'est soit de goût. On place les pattes. Les mettre un peu plus dans le bas. On ajuste la longueur. Je vais me faire dans ce sens-là. Voilà. Et voilà. Je vais refaire un autre nœud. Je vais refaire un autre nœud avec celui-ci. Donc, même principe. Toc toc, on fait un tournicotis. Je coupe et on recommence. Je maintiens, je tourne, je lève pour pouvoir passer le lambeau au milieu, en dessous. Je rechoppe derrière. Je tire, je le reglisse entre les deux, je maintiens derrière, chercher ma pince, je glisse ici et je fais ressortir de l'autre côté. Et je tire. Tiens, je tire, je glisse, je fais glisser, je serre vraiment, vraiment. Je
Je regarde derrière, pas trop mal. Et voilà, je sais, je défais. Et voilà, un beau petit nœud sympathique. Allez, celui-ci, on va faire les queues d'hirondelle. Tac. Et voilà, tout. On va même faire plus court. Enfin bref. Donc voilà, vous avez compris le principe. Allez, je vous en refais un autre. Il faut que j'aille chercher un autre ruban. Alors celui-ci, je vais prendre ce gabarit-là. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il a un sens? Ben non. Il n'a pas de sens non plus. Allez, oui, par contre, c'est un morceau que j'avais déjà. Donc, on tourne, on vient devant. On maintient. On fait passer. J'ai pris un long. On passe en dessous. On essaie de faire la tournée. On vous fait passer dessus. Et c'est là qu'on va venir le mettre passer dans la boucle. Donc ici. Et voilà. Passe tout seul. Et voilà. Joli petit nœud. Et voilà, encore un nœud. Donc maintenant, à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.